Good morning, allez, Yiden, et tu seras aujourd'hui, le Nishmat Nisharon, Ben Fortune Mazal, Claude Israq, Ben Fortune Mazal, Dan Miriam, Bat Elisa Sayak. Si vous souhaitez, vous aussi, déjà une prochaine tune de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sakhatium, à Perizain, Mishnah, hey! Kohen Gador, le Meshamej, Bishmon, Egelim, Veha, Hediot, Be Arbaa, Biktonet, Umichnasaim, Umitzlefet, Ve Avnet. Moussif Alav Kohen Gador, le Choshen, Ve Fod, Ome, Il Vetitz, Beelu, Mishalin, Be Urim, Vetumim. Comme ça dit dans la mission précédente, on a fini la voda de Yom Kippour. Du matin jusqu'au, même depuis la semaine d'avant même, jusqu'à la fin, la dernière avoda, et le Kohen Gadol qui est rentré chez lui à la maison. Maintenant la mission elle veut juste nous compléter un petit peu pour nous préciser, on t'a parlé sans arrêt des vêtements du Kohen Gadol, les habits en or, les habits blancs, alors là on va t'expliquer un petit peu mieux. Kohen Gadol, le Kohen Gadol, Meshamesh Bishmoné Bgadim, il doit servir au Bat Hamikdash, lorsqu'il fait un rituel, il est obligé de porter les 8 vêtements. Veha Hediot Be'arba'a. Et le Kohen simple doit porter 4 vêtements. C'est-à-dire, interdit de travailler avec un Mechoussar Bgadim. D'accord ? Ce qu'on appelle quelqu'un qui manque un vêtement, il est obligé de les avoir. Il n'a pas le droit non plus de rajouter un vêtement supplémentaire. Vous avez juste un tefillin sur la tête et pas sur le bras. On l'a déjà évoqué. C'est mentionné dans le Bechaï, dans la Torah, par exemple. Et que sur la tête, ça ne faisait pas Khatiza, mais sur le bras, s'il mettait le tefillin, il s'avère que maintenant, il y avait une Khatiza entre le vêtement et la peau. Ça, c'est entre parenthèses. C'est pas précisément Mishnah. En tout cas, donc il y a le Kohen Gadol, il doit porter le 8 vêtements. Il n'a pas le droit, le Kohen Gadol, de se mettre à faire une avoda avec 4 vêtements comme un Kohen Idiot. T'es un Kohen Gadol, tu dois être habillé comme un Kohen Gadol. Et le Hediot, donc avec 4. Quels sont ses vêtements? On commence avec les 4 du Kohen Hediot, du Kohen simple. Biktonet avec une tunique. Umichnasaim, et en dessous, un pantalon. Une sorte de culotte longue, en fait. Comme un grand caleçon. Pour cacher le. Donc, quand il marche, que le sol, la Torah précise, c'est important de ranger, le taleb est mieux à Benot, à Misbechi. Que le sol ne voie pas. Ici. Que le sol ne voit même pas non plus, c'est parti, caché. Ou mitznefet, et mitznefet, c'est un chapeau. Ve avnet, et un ceinturon. D'accord? Un chapeau, il y avait une petite différence là, Michel n'avait pas le préciser, entre le chapeau du Kohen Gadol, tout ça on en parle, entre le chapeau du Kohen Gadol et du Kohen Idiot. Kohen Idiot, c'était un long tube comme ça qui lui remontait. Un peu une sorte de chapeau de pâtissier, pas bombé, mais en tout cas qui montait droit. Tandis que le Kohen Gadol, il avait un... Dans la Torah, ça s'appelait Mikbaat, le chapeau des Kohen Idiot. Tandis que le Kohen Gadol, ça s'appelle un Mitznefet, c'est un turban. C'est rapporté, ce que je dis, c'est rapporté ici dans le Tosot, il en parle ici aussi. Un turban qu'il roulait sur lui, un peu comme les belles photos du Ben Ishraï et des Rabbanim Sfarad, comme ça, d'Irak essentiellement. Ve'avnet, donc, est le ceinturon. Mosif à la Kohen Gadol, il ajoutait, il avait en plus le Kohen Gadol, en plus d'avoir ses 4 vêtements de base, moins que ça, on discute même pas, un pantalon, une tunique, et un ceinturon, et un chapeau, chacun sa manière, mais en tout cas, ça, c'est la partie commune à tous. Le Kohen Gadol, il avait en plus le Choshen, le Ephod, le Me'il, et le Tzitz. Alors, on les explique. Le Choshen, c'était le pectoral. C'était donc les 12 pierres, où il y avait écrit dessus les noms des 12 tribus, plus les noms d'Abraham, Isaac et Yaakov, et plus le Shivte Ka. Comme ce qu'on expliquait après, dans 30 secondes, pourquoi il fallait. On expliquera dans 2 secondes, on y arrive. Ça c'était le Choshen. Le Ephod, c'est une sorte de, on pourrait dire, de tablier, mais tablier respectueux, pas un tablier parce qu'il fait le ménage. C'est-à-dire, ouais, d'accord, c'était un... Ça allait ensemble, c'était rattaché avec Marcoquet dans les Mefarshim, Rashi Rajbam, est-ce qu'il était devant, ou est-ce qu'il était aussi au contraire par derrière, et qui venait donc l'encercler par derrière, au-dessus de la tunique, mais mieux que ça, même au-dessus du Me'il, plutôt. Il avait le Me'il, c'était une sorte, alors on traduit le manteau, mais en réalité, tel que ça a porté, je ne sais plus où, c'était une sorte en fait, de grand, comme on peut prendre un grand tzitzit bleu-azur, qui descend jusqu'en bas, où il y avait dessus accroché les cloches. Sur ça, il mettait le fameux éphod,
le fameux, ce qu'on pourrait appeler le tablier, le bas, avec aussi dessus le pectoral. Et en dessous, il avait bien sûr l'actonnette, en plus du pantalon. Et Vetsitz, le fronto. Il y avait marqué dessus Kodesh Lachem, d'accord. Et il avait aussi les tefillines, il y a la place pour mettre les deux. Comme ceux qui mettent de tefillines, Rachir Abenuta, mais il y a la place pour mettre aussi hein, c'est tout au-dessus du. C'était pas sur le front, c'était comme à l'endroit des tefillines. Là où il y a des cheveux, spécifiquement, vous savez bien que pour les tefillines, il faut là où il y a les cheveux, pas en dessous. En dessous, c'est pas soul. Il faut que tout le tefilline, entièrement, il soit tout posé au-dessus de la tête, là où il y a les cheveux. Et la même chose pour le titz. Be'eilu nish alin be'urim vetumim. Et avec tous ces vêtements, on posait la question au Urim Vetumim. Urim Vetumim, je ne sais même pas comment ça se traduit. Celui qui est clair et celui qui est entier. En réalité, dans le pectoral du Kohen Gadol, on avait dit qu'il y avait tous les noms des tribus qui étaient écrits. Il y avait en fait, en dessous, c'était un tissu. On avait mis dessus, on avait accroché avec des écrins, on avait mis des pierres précieuses. C'était un tissu qui était doublé, où il y avait dedans un parchemin, il y avait dedans le shem, et il y avait quelque chose de miraculeux, c'est qu'on pouvait poser des questions au Kohen Gadol, et le Kohen Gadol voyait des lettres s'allumer, et qui après, il obtenait les réponses ainsi. Ça c'était le Kohen Gadol, qui faisait avec donc le Urim Betumim. Et d'où l'intérêt, entre parenthèses, que j'avais commencé à vous dire, qui avait écrit le nom des 12 tribus de rajouter aussi Avram et Sangri, comme le chiffre Teya, de manière à ce qu'il y ait toutes les 22 lettres de l'alphabet. Et la Mishnah me dit, il faut, le Kohen Gadol devait nécessairement porter tous les vêtements pour qu'on puisse poser la question, une question au Kohen Gadol. Barthénoir nous rapporte longuement comment ça se passait, c'est qu'en fait le Kohen Gadol il se tient en face au Kodesh HaKodashim, là où il y avait le Aaron. Celui qui lui posait la question se tient derrière, donc et vous imaginez, c'est moi, je vois le dos du Kohen Gadol qui est face au Aaron. Je pense qu'il n'était pas à l'intérieur du Echal, il était... Je ne sais pas exactement, ça ne s'est pas précisé où il était. Et je lui pose une question à voix basse, sans que lui-même m'entende, comme quelqu'un qui prie Hachem. Et le Kohen Gadol se concentrait, il recevait le Ruach HaKodesh, il voyait les lettres s'allumer, et les lettres s'allumaient pas forcément dans l'ordre, mais lui devait comprendre comment. Lui, pas qu'il devait comprendre, il recevait aussi par Ruach HaKodesh, lire à l'intérieur des lettres qui s'allumaient, les composer pour écrire la réponse. On posait une question. Une question par une question, avec. Il répondait, comme ça le Kohen Gadol, après il retransmettait, alors qu'il n'avait pas entendu la question, il répondait les lettres qui s'étaient allumées et il tranchait. D'accord? Ça, c'est rapporté dans le Barthénora. Et Ve'en Nishalin El Alem Melech. On pouvait poser des questions au Kohen Gadol que pour le Melech, le roi, ou encore ou le Betidin, pour le Sanhedrin, ou les Mishat Sibur Tsarichlo. Ou pour toute personne qui a une fonction publique. En réalité, en fait, le Urim Vetumim ne va pas venir me résoudre un problème personnel si je trouve plus une clé de voiture. Il va, si j'ai besoin de ma voiture pour sauver le Ham Israël, alors je vais lui demander où sont les clés de ma voiture et le Urim Vetumim va me répondre. D'accord? Parce qu'il faut avoir un besoin pour tout le Ham Israël. Donc ça peut être le roi pour ses problèmes personnels, qui sont les problèmes de tout le Ham Israël, et le Beddin, et le Mishat Tzibor Lo, est-ce qu'il fallait faire la guerre, c'est pour mentionner comme ça dans le Navi, dans. Au début de Shoftim, l'histoire de Yahweh Giva, et donc le Kohen Gadol en posait la question, et il recevait la réponse, comme on a expliqué, les lettres qui s'allument. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.